Donc bonjour, je suis Manon Roche, je suis maître de conférences et pharmacien à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille et j'exerce donc au niveau du service central des opérations pharmaceutiques, service responsable de l'achat des produits de santé pour la PHM. C'est faux. L'hôpital dépend de nombreux flux physiques pour son activité propre, pour les différents processus d'approvisionnement. Les dernières données publiées attribuent donc sur le secteur de la santé un impact carbone de plus de 49 millions de tonnes équivalent carbone. Pour avoir une idée, ça représente 8% de l'empreinte carbone au niveau national. Et donc il faut savoir que l'achat des médicaments et des dispositifs médicaux représente 50% de cette empreinte carbone. Et il existe à ce jour des leviers pour réduire cet impact carbone au niveau du secteur de la santé. Donc c'est vrai, depuis plus d'une dizaine d'années, il existe un critère environnemental dans le cahier des charges des appels d'offres qui nous sert à choisir les médicaments et les dispositifs médicaux utilisés à la PHM. À ce jour, depuis 6 mois, nous avons instauré donc une modification de ces critères, une augmentation de la pondération de ce critère environnemental donc un listing de questions plus ciblées sur le produit afin de choisir des dispositifs médicaux ou des médicaments plus vertueux d'un point de vue du développement durable. C'est faux, il n'existe que peu de données sur l'impact environnemental des produits de santé, hors gaz halogénés notamment, qui ont été largement étudiés. Dans ce cadre, nous avons instauré à l'assistance publique hôpitaux de Marseille des évaluations de l'impact environnemental de produits de santé, que ce soit médicaments ou dispositifs médicaux, en réalisant des analyses de cycle de vie dans une logique d'éco-conception des soins afin d'identifier l'impact réel sur l'utilisation de ces produits. Donc c'est faux. Il a été initié au niveau de l'assistance publique hôpitaux de Marseille une cartographie des produits, des levées d'action et d'amélioration possibles, que ce soit sur les produits ou sur les processus. Et il est prévu, sur ces différentes actions qui vont être menées, de réaliser un suivi sur la performance environnementale en suivant des indicateurs spécifiques sur ce volet. Alors c'est à la fois vrai et faux. À ce jour, il est vrai que chaque service a une dotation qui lui est dispensée par la pharmacie à usage intérieur de son site. Et c'est faux car il y a eu donc des actions, des initiatives de services pour la mutualisation des produits de santé avec des taux de rotation faibles pour éliminer et limiter le risque de déchets, d'élimination de produits périmés non utilisés.